Masha, soyez très prudente, je vous en supplie. Majesté, je vous prie de m'écouter. La vie d'un innocent dépend de cet entretien. Vous importunez sa majesté. C'est au nom de la justice que je suis ici. Madame, écoutez-moi, je vous en supplie. Veuillez vous retirer immédiatement. Non, laissez-la dire. Qui êtes-vous? Je suis la fille du commandant Miranov, qui a défendu la garnison de Fort Bielogorsk et qui a été pendu par l'usurpateur. Il est une très belle conduite. Et je partage votre peine. Je suis aussi la femme du lieutenant Pierre Grignef, un loyal officier de votre majesté qui vient d'être condamné à mort. Je sais. Je viens de lire le procès-verbal de l'audience. Et je suis d'accord avec les conclusions. Vous croyez que j'aimerais l'homme qui aurait servi le bourreau de mon père et de ma mère? C'est possible, ce ne serait pas la première fois. Vous croyez que par amour, je pourrais oublier la décence la plus élémentaire? Oui. J'ai souvent vu l'amour fouler aux pieds les choses les plus respectables. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je suis parfaitement au courant de cette affaire. La justice veut que l'impératrice non, elle-même... Non, vous n'êtes pas au courant. Dans cette affaire, tout prouve que vous ne savez rien. Pougatchev a raison, en bien des preuves. Taisez-vous, madame! Pougatchev n'a nul besoin de votre appui. Il a écrit la page la plus tragique de l'histoire de mon règne. Je sais que cette page a été tragique. Elle m'a coûté la vie de mon père et de ma mère, et aujourd'hui la vie de l'homme que j'aime. Votre armée a étouffé une révolte, mais avez-vous extirpé la cause de cette révolte? Vos troupes ont-elles supprimé la faim et la misère du peuple? Assez, emmenez-la! Le seul crime que mon mari ait jamais commis envers vous, c'est d'avoir osé dire toute la vérité! Je déplore cet incident, Majesté. Elle a du courage. Et peut-être Grignef en a-t-il aussi. Il en a, madame. Et d'ailleurs, il n'a pas été condamné pour cela. Que ferais-je si je n'avais pas le secours de Vounier? Je vous remercie. Faites-la conduire à la forteresse. Et qu'on lui laisse voir son mari. Je vais y aller moi-même, tout à l'heure. Mais, madame, la citadelle est infestée de rats. Est-ce la place d'une impératrice? Vous oubliez. Si Pougatchev était arrivé à ses fins, c'est moi qui serais avec les rats. Et vous y seriez aussi, mein geliebte.